Inigo. Bon, on est revenu à deuxième phase de l'acte 1. Deuxième phase d'acte 1. En train de looter masse. Oui, on a looté pas mal de choses, hein. Moi, je... Enfin, sur ma tête, il pleut des notes de musique et j'ai un bouclier qui me protège, donc c'est plutôt fun. Moi, j'ai des bouches. Pour vous dire à quel point c'est what the fuck. On est tombé sur des choses pas trop mal, quoi. Le casque, genre le Razer casque, c'est comme ça que s'appelle le... Ouais, c'est comme ça que s'appelle le truc. C'est un casque Razer, quoi, merde. Il s'appelle casque Razer. Et du coup, ça pleut des notes de musique, ça fait des dégâts autour de moi. En vrai, c'est fort. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, attention à la bombe. Ouais, ouais, c'est énorme. Ça va. Ça. Allez, on se met dans le trap. J'ai loot. Peut-être que je level up d'autres armes. Aussi. Ouais, moi je level up toujours le même en fait. Il y en a un qui est au niveau. Ah bah oui, bah viens, je vais poser des traps vite. Ah, plus vite, plus vite. Posage de trap. Ce truc. Léviathan. Ouh, c'est un beau bébé. Un beau bébé. Il n'y a plus de mana. Il va mourir vite. Fuck. Manger l'aggro. Et voilà, easy peasy. Il a l'aggro. Il a l'aggro. Si, il a l'aggro. Si, il a l'aggro. Et là, j'ai une Game Boy, je pense. C'est quoi ça veut dire? Une Game Boy? Sérieux? C'est quoi? Un lecteur cassette? Eh, moi j'ai pas de relique. Bouge un peu, bouge-toi, j'ai pas de relique, moi. C'est quoi cette arme? Il m'a volé une relique. C'est quoi, c'est une arme? Magic Staff, c'est maman. Bon, allez, let's go. On va pas se tarder là. Oui, c'est super simplifié, mais... Enfin, c'est simplifié niveau... compréhension du jeu, vert, apprendre faut... les mécaniques, etc. C'est ce qu'il faut retenir. Exactement. Et ça c'est bien. Ça. Oh, c'est joli. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, ce sont les... comment ils appellent ça déjà? Je sais plus. Les Trangleroth. Ils s'appellent Trangleroth. Sérieux, Trangleroth. Je sais pas. Ah, oui, mais c'est pépé. Lui, c'est écrit téléport, c'est pas un bug. Ah, l'enfoiré. Merde, il y a plein de questions. Pardon. Éjaculation des flammes infernales! Là, c'est plutôt des espèces de larves. Oh merde! Ça picote, hein. Ah, je commence à avoir pas mal de dégâts aussi, ouais, avec les auto-attaques. Bon, malheureusement, le trap c'est pratique, mais faut vraiment la jouer passive, tu vois. Saloperie de larves. Oh, des rats! Des petits rats! Ils sont trop mignons! Il y a un nid, non? Ouais, un nid juste au-dessus! Qui du poison! Regardez s'il n'y a pas de nid de squelette. Parce qu'il y a des nids de squelette. Des quoi? Non, des nids de squelette. Okay. Après, ils peuvent. Squelettage! Ils peuvent pas prendre maintenant. Très certainement. T'es où là? Tu fais quoi? Il est juste à côté de toi. Mais je sais pas, il y a des potirons, moi je détruis des potirons. Il y a un électrifié du corps qui se fuck ton potager! Ouais. Ah, j'ai remarqué un truc hier. Esquive. J'ai pris un peu de dégâts, c'est bon. Ah, une clip, ouais, on l'a fait. Juste que je récupère un peu de PV parce que c'est comme ça. Ouais, ici, et juste ici. Ouais, non, ouais, comme ça. Bon, allez, let's go, let's go. J'arrive. T'es mort. Go, go, Power Rangers. Aussi, si vous avez des idées pour les jeux. On se l'aggro. Sûr. Oui, donc je disais, aussi, si vous avez des idées pour des jeux auxquels on pourrait tester entre nous. On va en faire en vidéo, etc. N'hésitez pas parce qu'on est à la recherche de quelques petits jeux. Personnellement, c'est en attendant Path of Exile, la nouvelle extension. Qui sortira bientôt et bordel, qu'est-ce que j'attends de pied ferme. Je me suis fait couper la tête. Tiens, tu as vu les mobs aussi prennent des dégâts des pièges. Bien ça. Moi j'ai une tête de dragon comme relique ici. Attends, j'ai peur. J'ai pas envie de passer, j'ai plus beaucoup de. Go. Non, je me suis pris les putain. Oh, tu te l'es prise en pleine face. Voilà. Oh, j'ai une Breath of Fire. Oh bah. Ah, par contre, ça m'a retiré ma relique de. Ma bouteille de. Ma bouteille de mouche. Je n'ai plus ma bouteille de mouche, j'ai vu. En fait, ouais. Alors, testons ça. Ah oui, bah, gars, ça tire des flammes devant moi, c'est joli. Faudra que je teste contre un boss, c'est ce que ça donne. Ah oui, ça, ce sont des sorts que tu gagnes en plus, en fait. Certains. Oui, c'est ça. Certains hôtels. Les actifs, en fait. Un sort, d'ailleurs, au choix. Enfin, y'a de la vie par là. De la vie, c'est bien. Tant qu'il y a de la vie, y'a de l'espoir, comme oui, disait l'autre. On a gagné là. Là, on est bon pour le boss de fin d'acte. Je le sens, là, je le sens. Ouais, ouais. C'est sûr. On a quelle wave? 15ème wave. C'est pas mal, on progresse. Je pense que. Je sais pas si c'est 30 ou 20. Je sais pas, 24. La première est à 6. La deuxième, elle était à combien? T'as la wave 15? Pas 12. T'as beaucoup de Wendigo, tu sais, toi, fais gaffe. Ça, des Wendigo. Les Wendigo. C'est tout mignon. C'est pas trop mignon. Et ils sont pas pris mon trap! Bande de chiens! J'esquive!
fait, les Wendigo, ils accélèrent quand ils te voient. Ils ont une certaine range, tu vois, et quand ils te voient, ils te rushent dessus. Donc si tu peux les tuer sans que... Enfin, je crois qu'ils sont... Bon, en fait, en gros, vaut mieux pas jouer mêlée. Ouais, enfin... Ça rase. J'ai pu... Non, mais j'étais à côté, regarde, tu meurs à côté. C'est sûr que je meurs à côté. Mais oui, mais t'es quand même resté dedans pendant quelques jours. Je meurs à côté, c'est pas possible que je chope. Mais je ne te laisse pas mourir. Here we go, t'as quoi? Gango! Il s'appelle Gango! Juste à droite. J'ai. Merde, il est là-bas! Oula, wow! Il utilise Brunstam, l'enculé! C'est simple, hein. Bon, ça va, il meurt vite. Ouais. On a des bons dégâts, Ouais, t'as combien de PV toi? 2920. Pas mal! 2000. D'accord. Non, mais j'ai tellement mal. Non mais j'ai encore pas de reliques, à la place j'ai des clés mec. Ah c'est pas mal les clés, moi j'ai deux clés. 40 force. Pas mal. Ouais du coup passons à la suite hein. Oh j'ai obtenu du loot légendaire mon gars. Dépêche-toi. GG pour le coup, légendaire, c'est hyper fort. Légendaire. Bon du coup j'attends, je vais vite m'équiper, protège-moi. Je te protège. Protection. Ouais. Inventaire, alors, où est mon stuff légendaire? Je ne le trouve pas. Ah si, c'est les boots. Ah bien. Les boots, c'est pas tant plus. Ah bah non, il faut être level 15. Ah. Et je suis level 12. Ah du coup, ça veut dire que tu peux avoir le spell. Quoi ça? Ah oui, en effet, maintenant je peux tirer des cannonballs. Bon après, j'ai 1% de chance de les pop, hein, tu vois, à chaque auto-attaque. C'est un peu comme mon sort, pas là, terrible, ça. Ouais, exactement. Donc je pense que je vais level up. Ah bah tu l'as vu là? Ah oui, si j'ai vu, ouais. Ah dommage. Ah là. C'est sympa, bah c'est... Des grosses boules. Tu aimes les bobos. Moi je me demande toujours à quoi sert ce chapeau, je pense que c'est pour décorer. Hein. Ouais, je pense que c'est totalement décoratif. Je sais pas. Je me demande si ça n'a pas un bonus passif, genre plus de trucs. Par contre, je sais pas comment est-ce qu'on peut voir les passifs qu'on a. Grâce au. Soit le wiki, soit il faut aller voir, mais à la sélection des persos, tes uniques, etc. Je sais pas comment ça s'appelle. Cryptopia. Ah, il y a une crypte. Ah bah elle est juste là, bah génial. Oui. Fais attention parce que la dernière fois je tombe dans une crypte où il y avait plein de pics partout. Sauf à l'endroit où j'étais, du coup je suis mort. Ah bah non, là il y a des tapis roulants. Oh merde, il y a des tapis roulants. C'est dans celle-là que je suis mort, comme un débile. Je suis mouru. Voilà. Il y a vu dans la crypte là. Et le GG. Putain, mais c'était tellement pas une bonne idée de venir ici. En effet. YOLO. Ah merde, c'est marche en arrière là. Ah putain, pêche. Ah c'est moche. Ah c'est chaud. Ok, il faut passer par où ensuite là? Faut passer sur les pics pour activer le levier? Non mais et le levier en dessous? Le levier en dessous. Non, pas par là, on s'en fout par là, c'est pareil, c'est pas grave. Ah ok. Moi je dis que c'est pas grave. J'en sais rien en fait. Il y a plein de coffres à gauche. Bon, on verra bien. Est-ce que je passe ou pas? 1, 2. Bon, si je meurs, tu aimerais ou pas? Ouais, bien sûr que oui. Moi je te crois tellement pas. Ah bah oui, ça ouvre du côté ici pour le levier. Nice. Est-ce que moi je dois l'activer ou pas? Elle nous crée un chemin de merde. On va un là. Chemin en boss. Bonjour, je m'appelle Jean-Dominique. Aujourd'hui sur Minecraft, je vais vous expliquer comment faire un chemin en boss. Pour ça, il vous faut de la boss. Ah, trop bien. Trop bien. Ouais, moi aussi. J'ai deux items légendaires, mais 15 équipements. Bah oui, c'est ce que je te dis. Mais t'en as eu deux aussi? J'en ai eu deux aussi. S'il vous plaît. Il y a eu deux légendaires ouais, toi j'ai aussi. J'ai le charme du guerrier et... Moi j'ai le charme du Warlord aussi. Moi du Warrior. J'ai l'ancienne amulette. Bon en tout cas il faut arriver jusqu'au level 15. Et à partir du level 15, déjà, ça fait des bisous. Doucement, tout à l'heure. Voilà. Oui bien Coron aussi. Après aussi il faut savoir que la limite du niveau c'est 150. Donc on est oui, oui. Nous sommes au début de notre aventure épique. Qui nous mène au confort du monde. J'ai vu qu'il est encore en train de créer des actes, c'est possible? Oui, en effet. Malheureusement, il y a pas mal d'actes qui sont en mode DLC, tu vois. Ah bon, après, les DLC coûtent 10€, tu vois. Donc, bon, après, c'est pas cher, pas grave. Ah, la boucle bon, si vous aimez, enfin, le jeu coûte 6€, donc au final, ça revient à 10€ avec les DLC, c'est. Oui, franchement, c'est cool, quoi. Tu peux apprécier le problème de mettre 2€ pour avoir, je sais pas moi, presque 10 kills en plus et. Ah, esquive! Ça me fait penser au rayon laser de Pyty dans l'acte 4 de Path of Exile, tu sais. Moi, ça me fait surtout penser au laser dans Diablo. Ouais, c'est ça, je me pas. Ah, boss. Ah non, ça sort bien, on est au 24, donc prochain,
C'est le boss de fin d'axe. Ah, y'a un bon l'air ici. Accroche-toi. Pourquoi je me ralentis là? Ah bah c'est le boss ici. Pourquoi mon, pourquoi mon personnage il est lourd? Oh, ça devrait aller mec. Il a pas de PV ça. T'appelles ça un boss sérieux? Déjà qu'il y a une tronche de kick. Et voilà. C'est ça qu'on veut. Oh, il y a de la verdure et tout, c'est joli. C'est joli. Si oui, c'est vrai, backstab. Mais ça s'en sort. Nous allons arriver au bout, très cher. On y arrivera. On y arrivera. Malgré le son et la sueur. Bien bonjour, Da Frozen Bling. Attention au laser. J'ai pas mal là. Je vais plus vite un peu. Cryptapyr, il est ici. J'arrive. Il y a un petit... pour tout se tirer le salaud. Tiens, prenez ça dans la tête. Oh, l'explosion. Je suis mort dans la crypte. Aïe aïe aïe. T'es mort dedans? Non mais en fait chaque fois que tu... tu rentres dans un endroit tu meurs. Ah oui, oui, oui. Non, j'ai cru que t'étais mort parce que je sais pas si tu te rappelles la dernière fois quand on est arrivé dans une salle et qu'il y avait 80 000 mobs. Oui, en fait, ils peuvent descendre avec toi, je pense. Certains endroits ils peuvent descendre avec toi la même. Non, mais je sais même pas si c'est pas genre tu pop dans la zone et il y a 12 000 mobs. Ah oui, aussi. Si, mais si, tout à l'heure. Qui arrive? Bah oui, c'est ce qu'on a eu, oui, voilà. T'as déjà passé la boulette? Bah oui. Boulette. Ah, j'en suis pris un truc. Moi j'ai pris la boulette de pique dans la tronche. YOLO! Payolo, payolo, payolo! Ah, c'est chaud dans un couloir ouais. Comme ça. Non, en fait, il y a un arbre pour le protéger. Ah. Oh. Il est mort. Je vois rien. Pourquoi? Il reste des archers au-dessus. Courage à toi. Il est là, mais il meurt pas. Ah, il est ah, bah j'ai. C'est un hamburger, sérieux, t'as un hamburger. Moi j'ai une Devil Horn Curse. Panelfi, but so Yumi. Cheeseburger. Yumi Yumi. Yumi Yumi Burger. Yumi. Nous sommes à la wave 27, nous allons finir l'acte 1. J'ai bon espoir. Tu as bon espoir? J'ai bon espoir. J'ai mon deuxième spell. Oh mais c'est stylé. Oh mais c'est stylé. T'es où? Regarde. Vite. Oh la chute. Poing. Oh je kiffe. Ah y'a une statue. C'est pour qu'on faut les prendre. Ici, non, ici. Moi j'en ai une en bas là. C'est pas ça. Ah moi j'en ai une ici. On a la statue pour prendre. Ça te donne un bonus passif sur ton héros qui est... Ah, non, bah non. Qui reste tout le temps. Ouais voilà. Toi t'as plus 20 de strength. Moi j'ai rien eu vu que toi, tu l'as prise pour moi. Thank you Vinch. Attends ça rame. C'est pas normal. Non ça rame pas. Je pense que c'est le jeu qui va ralentir quand il y a trop d'effets, non? Il va pas au ralenti pour toi? Non, moi ça va tranquille. Après, c'est peut-être parce que c'est moi qui host. Ah, peut-être, ouais. Un truc à afficher en même temps. Si tu... Wave 29! Parce que là, si je tire, moi ça va perdre. Enfin, voilà. Oh, c'est quoi ça? C'est quelle rarité ça? Je veux! Donne-moi! À moi! Je l'ai eu, j'ai pas. Faut que je quitte mon inventaire. Sinon, il y a la crypte qu'on peut toujours faire en bas. Ouais. Ça peut être trop. Ouh, je vais mourir! Je vais mourir! C'est dur, ça, mon chapeau de. De la jute. Tan 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 tan. Tiens, la crypte! La crypte. Tan 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 tan. Ok. Ah, mais pourquoi je passe au moment où il y a le. Ah ah, j'ai eu! Exactement. Je t'emmerde. Thank you.
Moi j'ai une dent. J'ai des trucs trop bizarres. J'ai une dent. Le mec il a looté une dent. Oui, j'ai une dent, une grosse dent. Et ça c'est beau. Ça. C'est bien. Ah non, mais ça fait si. Je suis niveau 15. C'est-à-dire que je peux utiliser mon objet. Ah oui, le stuff unique. Ah, le stuff unique. J'ai un squelette appelé Prison Guardian. Moi j'ai mis un portail, mais ne. Gardien n'a fait. Oh, il fait trop mal. Ne prends pas le portail bleu. Putain, ça rame tellement. Je sais pas, je suis en train de faire. Si tu vois un portail bleu, ne le prends pas. Pourquoi? Parce que c'est mon portail qui nous ramènera au début. Ah oui, pas cool quoi. Ouais, ça va ralentir. Ok, that's good. Quand tu veux, baby. Let's go. Here we go. Eh bien, les amis. Saute dans le trou. Saute dans le tuyau, tel Mario. Nous sommes partis pour le boss de l'acte 1. Acte 1. C'est un gros rocher qui lance des rochers dans tous les sens. Je sais pas, moi j'ai mis des trappes dès le dernier. Ça fait des rochers. Sans qu'il prenne un peu sa misère. Je me dis au destroyer, vas-y, ramasse tes dents. Ouais, là j'ai ramassé mes dents. Je suis mort derrière. Survie. Ouais, en fait, en gros, j'ai vu que son spell allait tout droit, du coup, je suis resté droit. Ça fonctionne pas. Esquive, on dash, on dash, on dash, on dash, on dash, on dash. Binge, je crois aussi, en toi. Moi aussi, non. Allez. Par contre, il explose. Tout à l'heure, il a fait Mathieu. Ah bah, tout à l'heure, hier. Bien revive. T'es mort où? En bas. En bas là-bas. Comme une merde. Le premier spell, tu sais, qui empoisonne, oui. En fait, il envoie tout droit en croix. Bah, je suis resté dedans en mode putain, bah, je peux pas aller sur la gauche, sur la droite, y'a un mur, c'est pas. Mes amis. Bon, allez, chers amis, on va faire de gros bisous. Hein, on fait des gros bisous. Bah, oui, des gros bisous à tous. C'était Zelk et Vinch. Pour c'était quoi le nom du jeu déjà? On l'a dit au moins. Hérosiek. Alors, on était sur Hérosiek. Hérosiek, c'est un très bon jeu, il est sur Steam. Et vous connaissez pas Stuhan, c'est un bon programme à télécharger. Allez les amis, on vous dit à très bientôt, faites des gros bisous. Allez, des ciao, bisous. Ciao.